Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You on repeat, you can't see shit cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Je suis en train de prendre la poire d'un pain. Des vents 4x5 que je mets. Là, c'est la poire d'avoine présentement. La poire d'avoine, c'est la meilleure pour l'hiver. L'avoine orge, blé, là, c'est les meilleures pailles. C'est des pailles qui sont les plus isolantes de toutes les sortes de pailles. Dans le fond, le canot-là, on l'utilise plus le printemps, l'automne ou les temps doux. Ça ressemble plus à de la planure ou de la lippe de bois. Tandis que la poire d'avoine, elle est vraiment isolante. Tu vas mettre ta poire aujourd'hui. Puis le lendemain matin, c'est rendu tout beau encore. Tandis que si tu mets du canot-là, le canot-là, le lendemain matin, il est rendu plus gelé à terre. Et plus, quand il fait bien froid, là, dans les moins 20, moins 25, moins 30, c'est moins. C'est pas mal moins. Ça a moins un bon facteur que Zalet. Qu'est-ce que j'utilise présentement? C'est un épandeur de paille, c'est pas un hache-pompe comme tel. Ça hache pas, ça fait juste l'épandre dans le fond. Si la paille est bien sec, ça va la casser un peu, mais si dans de l'orge ou du blé, ça va casser un petit peu, mais dans la paille d'avoine, elle est plus rigide. Elle a tendance à pas casser pantoute. En même temps, on est en train de récupérer le fumier. On transporte le fumier en andin dans le champ. Tout le fumier, aussitôt qu'il dégèle ou qu'il tombe de la neige, on récupère le fumier avec une luse à bannier pour ensuite l'amener en tas dans le champ. Ou en plus en andin dans le fond, là, on peut l'emmener en andin dans le champ. Dans le cas de cet enclos-là, il y a 100 quelques veaux. Je pense que c'est 110 veaux. Là, je vais mettre 2 bacs 4x5 d'avoine. Qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est que je me mets dans la mangeoire. L'endroit où les animaux se placent pour manger. Là, j'envoie la paille vers le parc. Le résultat, c'est ça. S'il n'y a pas de neige, facilement bon pour 3 jours, 4 jours. Peut-être 5. Ça dépend de la neige, de la température. Si c'est bien froid, il va falloir en ajouter dans 3 jours. Tout va s'ajuster selon la température. C'est jamais pareil. Ça fait à peine 10 minutes que la paille a été placée dans le parc. Puis regardez les veaux. Déjà tout couché. Ils ont vraiment besoin de paille. Ici, ils attendent dans l'allée présentement. Là, sont dans le parc, sont en nettoyage.
Puis dans celle-là ici, c'est la même chose, c'est presque tout couché. Le parc est presque vide. Bon, il reste encore facilement 5-6 voyages dans le tas. Je vais aller me chercher des balles, je vais mettre la porte dessus dans cette tente-là. Terminer la paille, je vais terminer soit l'alimentation des animaux. Il reste le dernier repas donné à environ 5 ou 6 parcs. Et cette l'enclos presque est fini sur le fumier. Ouais, Régis, pourrais-tu venir me charger le dernier voyage pour soigner les animaux? Ok, ouais, c'est bien. On va rentrer dans la foire en dedans. C'est le fun de pouvoir, avec les hivers qu'on a ici au Québec, là, c'est le fun d'avoir un garage comme ça pour serrer toutes nos machineries d'hiver. Sans ça, ça sera pas facile. Les machines sont chaudes et on arrive à partir avec. Comme là, je vais prendre le sort de 1630 avec le mélangeur. Tout va être bien chaud. Un entretien qu'il y a à faire souvent sur la hache-pont ici. C'est de nettoyer la corde qui roule autour. Toute la corde, quand on fait les balles, toute la corde s'accumule autour. On voit l'épaisseur déjà, il y en a facilement assez d'accumuler. Fait qu'il faut prendre des exactos et tout couper ça, c'est un méchant job. Puis quand ça vient plus en plus plein, mais la machine perd beaucoup de performance. La corde, dans le fond, elle se ramasse toute autour de ça. Il n'y a presque pas de corde qui sort à travers la paille. Ok, je vais m'en aller avec la RTM. On va charger un dernier voyage de fumier, puis on va venir me charger après.
L'enclos est vide de fumier. On est parti. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre les animaux dans le parc. Il y a déjà 1 heure qu'ils sont pas là. La nuit arrive. Là, la paille n'est pas mise à grandeur parce qu'il était en train de travailler tantôt. Prochaine paille qu'on va mettre, on va la mettre à grandeur. J'ouvre ici et je retourne à l'arrière chercher les animaux. Quand je vais refaire le tour par l'autre côté, ça va être plus simple. Donc les veaux sont là. Ici, c'est l'allée centrale, c'est le chemin principal pour aller processer les animaux. Pour aller à notre système de contention. Ça, c'est un parc d'animaux en engraissement. Ça, c'est des veaux en engraissement, des veaux de 6 mois. De se tenir une bonne distance des veaux pour les faire paniquer. Là. Les veaux, ils ont une genre de bulle. La distance à peu près ça, là. Une quinzaine de pieds. Là. Allez, petit gars. Ouais. Pas pressé. Ils sont vraiment pas pressés. Let's go. Let's go, let's go, let's go. J'étais un peu trop proche, j'avais envie de. Ça va y aller, là. Hein? Je pense que tantôt, ils ont sorti par ici. Puis eux autres s'attendaient de rentrer par là. La barrière qu'on sort les animaux ici, mais j'ai ouvert l'autre à l'autre bout. D'après moi, c'est ça le problème. Dans chaque parc, ils ont l'entrée en bas du parc. Comme là, ici, cet enclos-là, l'entrée est là. Il y a une entrée pour les tracteurs, puis il y a une entrée pour les parcs. Et l'autre s'en vont, là. J'aurais dû ouvrir ici en bas, ça aurait réglé le problème. Let's go! Toujours le fun d'avoir de réaction. Ils ont l'air à se poser des questions. Le montagne de fumier est plus là. Hein, boys?